Merci pour ton commentaire. L'ère du Verseau est une ère de troubles, de révélations, mais pas d'élévation. On est encore dans la 3D et ça bougera pas pour l'instant. Il y a une partie je suis d'accord, une partie je suis pas d'accord. Je vais vous expliquer ça assez rapidement. Et, écoute, reste. Donc on est en plein dans le passage de l'ère du Verseau pour 2160 ans. On quitte l'ère du Poisson. Et entre les deux, c'est clair qu'il y a une zone de chaos. C'est entre deux aires qui se chevauchent, donc c'est chaotique. Mais l'ère du Verseau est une ère beaucoup plus énergétique, où il y a beaucoup d'éveil. Il suffit de regarder sur n'importe quel réseau social. On parle maintenant beaucoup plus de spiritualité. Maintenant, les complotistes sont même acceptés, puisque beaucoup des complots qu'ils nous ont avertis se sont révélés vrais, hein, pas pour tous. Tout le monde parle de la Terre plate, des trucs comme ça. Tu vois, c'est une ère où au moins la connaissance est de plus en plus accessible. Donc, ça permet de s'éveiller, de s'élever en conscience. Ensuite, on est dans la 3D, on restera dans la 3D, oui. Moi, je suis pas d'accord avec le phénomène de la 5D. Pour moi, ça veut rien dire, la 5D. On est loin de la 5D. Déjà, il faudrait aller en quatrième dimension. Et ça se passe pour la majorité des humains lorsqu'on va quitter cette vie. On aura un bilan. Est-ce qu'on a réussi la mission de vie? La mission de vie! Ou est-ce qu'on a raté la mission de vie? On n'a fait aucun travail sur soi de guérison, aucun travail spirituel, et du coup, ben, on va se réincarner pour ceux qui ont la chance de se réincarner. Donc voilà, il y a des choses, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ceux qui veulent en savoir plus sur leur fonctionnement énergétique, ceux qui veulent s'éveiller, récupérez votre charte énergétique, le lien est en bio comme d'habitude, et décodez-moi cette charte. Soit vous faites votre recherche Google, soit vous prenez le livre que j'ai fait, soit vous prenez les formations qu'on propose. On a diverses formations, hein, sur la méthode DHM, pour les entrepreneurs aussi, pour les praticiens. Allez regarder, c'est très intéressant, c'est très fascinant, mais calmez-vous derrière, et ça va vous aider. Surtout si c'est dans un moment où vous êtes perdu, vous posez plein de questions, vous ne comprenez pas votre vie, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe émotionnellement en vous, qu'est-ce qui se passe énergétiquement. Toutes les réponses sont déjà là. Tout est déjà écrit. Toutes les solutions sont déjà là. Des fois, je me pose des questions. Abonne-toi, partage.